you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une petite nouveauté de chez Makeup Forever qu'ils ont accepté de m'envoyer via le site Octoly en ces deux teintes, une un peu violine et l'autre bien rouge, vous savez le rouge de soirée bien élégant, bien fantastique que j'ai adoré porter parce que l'huile rouge je l'ai testé pour une soirée donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur ce produit. Le violine je ne l'ai pas encore porté et je vous en ai fait bien sûr un ombre ellipse aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. Je vous laisse avec le tuto et je vous reviens juste après pour vous parler un petit peu de l'onctuosité, de la tenue, de la couvrance, etc. Je vous reviens et j'espère donc que ce tuto vous aura plu pour vous parler un petit peu de ces rouges à lèvres là. Donc c'est la nouvelle collection qui vient de sortir de chez Makeup Forever et c'est moi qui ai demandé ces deux teintes là. Donc d'aucuns pourraient dire que pendant l'été le violine c'est un peu bof. Sauf que moi j'adore porter ces teintes là même en été, soit en été, en hiver ou printemps, en automne. Je trouve que ça passe vraiment très très bien. Alors au niveau des références, pour le violine c'est la référence C506. Donc c'est le Artist Rouge Crème. Et pour le rouge, c'est la référence M400. Donc ce sont tous deux des rouges à lèvres mat. Quoi ? Ah non. Ah non, 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 non. Il y a un truc qui diffère des deux. J'avais pas capté sur l'emballage. Le rouge, il est mat. Mais le violine, il est crème. Donc en fait, je vois pas la différence parce que le violine me paraît aussi mat. Donc dans tous les cas ces deux rouges à lèvres, le violine je ne l'ai pas encore testé mis à part là tout de suite maintenant. Et je peux vous dire que le mat n'assèche pas du tout. Donc ça j'adore parce que honnêtement les lèvres qui craquellent et t'as juste envie de retirer la peau que ça forme sur le dessus, voilà. On est bien d'accord, c'est confortable à souhait. Donc ça si vous aviez peur du mat qui assèche, vous pouvez y aller à 100%. J'ai porté le M400, donc c'est le rouge mat pendant une soirée. Donc je l'ai posé on va dire vers 6h de l'après-midi
Je l'ai enlevé le lendemain matin à 5h30 du matin. Donc autant vous dire 12h. 12h, il a tenu. Il a pas bavé. À part que quand j'ai embrassé des gens qui avaient transpiré, voilà, ça a laissé... Alors c'est pas sans transfert, hein, ça transfère sur les autres. Mais la couleur est tellement intense que vous en avez encore sur les lèvres et ça ne bouge pas. Et ça a duré 12 heures, même en ayant mangé, bu, voilà, fait des bisous et tout et tout. Donc honnêtement, je vous le conseille à 100%. C'est vraiment des produits qui tiennent vraiment bien. Donc Make Up For Ever, en fait, j'ai l'habitude et vous avez eu tout un tuto complet avec le make-up de cabaret que j'avais réalisé plus ou moins avec du Make Up For Ever. Hein. Qu'on se le dise, entre la base verte, le fond de teint, etc. Bon, le fond de teint, c'est pas un fond de teint qui me conviendra forcément, l'Ultra HD ou l'HD de Make Up For Ever. Mais le rouge à lèvres, pff, il est topissime. Après, le violine, je sais pas, vu que c'est un crème et pas un mat. Donc là, je suis un peu perplexe. Mais au niveau de la douceur et de l'onctuosité du fait qu'il n'assèche pas, il est très très bien aussi. Je le sens, ça se voit, ça ne craquelle pas. Vous avez vu dans le tuto, ils ont des pointes vraiment très coniques qui permet vraiment... Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vraiment, ça confère une précision d'application qui est tout simplement... c'est hors du commun, quoi. Et du coup, le rouge, lorsque je l'ai essayé, ça m'a vraiment fait les contours très nets. J'ai pas eu besoin de repasser au... Bon, là, je l'ai fait pour le tuto, le correcteur, pour redéfinir bien les contours, pour que ce soit quelque chose de net, précis, etc. Mais vraiment, pas besoin d'en rajouter. Ça le fait le job complètement. La précision, la douceur, ça s'étale bien. C'est-à-dire que si vous le mettez au bâtonnet, enfin au raisin, vous allez avoir une couleur vraiment très intense. Et vous voyez, si vous remplissez au pinceau, comme j'ai fait à l'intérieur pour la violine, pour que ça puisse bien matcher avec le rouge que j'ai posé juste à l'intérieur, ça vous laisse quand même une base mate qui va accrocher en fait la matière. Donc ça peut très bien fonctionner pour des ombrés comme je vous ai montré là. Et les ombrés, vous n'avez pas aussi que cette manière de faire. Si vous n'en achetez qu'un, vous pouvez prendre une poudre transparente, poudre libre, que vous allez poser au creux de la paupière, ou alors des paillettes que vous allez poser ici au creux, mais des paillettes fines. Ça va vous ressortir comment dire, l'intérieur de la lèvre pour accrocher la lumière aussi. Il y a vraiment beaucoup de manières de faire des ombrés. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci, je vous la réaliserai sans problème pour vous montrer combien de techniques vous... Moi, j'en connais trois. J'en connais vraiment même quatre. J'en connais celle avec le contour des lèvres, rouge à lèvres et intérieur voilà, plus clair. Donc du coup, voilà. Les deux, le mix des deux rouges à lèvres, la poudre blanche en fait qui va, ou la poudre claire, couleur chair qui va éclaircir l'intérieur ici pour vous former l'ombré, ou alors voilà, la paillette qui va venir apporter cette lumière là qu'on n'a pas forcément en temps normal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo là-dessus ou le vrai problème. Mais pour l'heure, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces produits qui sont mais topissimes, de la mort qui tue, franchement, Make Up For Ever. Alors au niveau de la compo, je pense pas qu'il faille se leurrer, hein, parce que c'est pas bio, hein, on est bien d'accord. Il y a des parfums. Concrètement, il n'y a pas d'alcool, pas de phénoxyéthanol. Bon, il y a d'une limonène, forcément, hein, parce que voilà, il y a des parfums. Et il n'y a pas d'alcool non plus. Je l'ai déjà dit, l'alcool ou pas? Enfin bref. Donc le fait qu'il n'y ait pas de parabène, pas de méthylisothiazolinone, déjà c'est plutôt pas mal. Moi honnêtement, je vois plein de choses avec ces composés-là qui, du coup, ça me rebute un petit peu, mais en même temps, c'est du maquillage et j'adore ça, donc je suis tentée quand même de les acheter, on est bien d'accord. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation avec le petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter. Et puis si vous avez aimé, pourquoi pas liker et partager cette vidéo. Pour celles qui ne le sont pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Donc voilà. Je remercie Make Up For Ever et Octoly, bien sûr,
pour cette découverte, parce que je pense que sans eux, je pourrais pas vous présenter autant de produits que ça. C'est clair et net que pour une petite chaîne, l'investissement, ben, il est lourd. Donc voilà, je remercie encore Octoly d'avoir inventé cette plateforme pour nous permettre à nous de pouvoir vous parler des produits sans avoir à claquer notre slip, c'est clair et net. Bon, il y a pas mal de choses que je vous présente aussi et qui j'ai acheté moi-même, hein, on est bien d'accord. Tout ce qui était pour le make-up cabaret, c'est moi qui l'ai acheté via les ventes privées sur Beauté Privée. Donc oui, il y a du Make Up Forever sur Beauté Privée. Pas en ce moment, mais régulièrement. Donc vous avez un lien de parrainage dans ma barre d'infos si vous voulez passer par Beauté Privée et avoir, par exemple, là je vais vous présenter tout un achat, enfin une commande que j'ai passée récemment sur Bourjois, etc., etc. Donc je vous en ferai une revue, donc restez connectés si toutefois ça vous intéresse. Et puis pour là, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao. Have you ever felt? Are you listening?